Bonjour à tous, mes chers amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de type IRL avec un micro pourri, je m'excuse, une caméra pourrie, je m'excuse aussi, mais on fait avec les moyens du bord, comme vous en avez l'habitude, super overlay, hein, la coupe d'Europe. La mascotte de l'Euro 2016, super Victor, hein, le meilleur blaze. On a sorti le maillot qui date de 2006, déjà 10 ans ce maillot, hein, voilà, rip la finale qu'on a perdue. Et oui, Cocorico, Cocorico le drapeau français, MDR. Oui, pourquoi se retrouve-t-on aujourd'hui? Mais bah, figurez-vous qu'après plusieurs semaines d'hésitation, j'ai succombé, j'ai craqué, j'ai acheté le bouquin UEFA Euro 2016 France. Le bouquin Panini, les petits autocollants, voilà, si vous êtes né à la fin des années 80 ou au début des années 90, vous avez sans doute dû connaître ça. Voilà, le truc par excellence pour faire raquer tes parents quand ils passent au tabac ou à la papeterie ou au truc comme ça. De petits autocollants, voilà, ils en sortaient pour tout et n'importe quoi. Du coup, je me suis dit, bon, voilà, cet après-midi, pour l'anecdote, parce que ça vous intéresse, bien évidemment. On rentrait du McDo avec Jill et Laé, et je me suis dit, en passant devant un petit queue, je me fais, il te fait de l'œil, c'est maintenant, c'est le moment. On est en quart de finale, on va tomber contre l'Islande, c'est un signe. Il faut acheter ce petit bouquin, voilà, du coup, on a acheté ce petit bouquin. On va faire un truc bien pourri à la David Lafarge Pokémon, machin, quoi. Donc, on va faire un petit opening de stickers, bien évidemment, parce que vous aimez ça, les opening packs, et moi aussi, moi le premier. Voilà, on a une petite quinzaine de paquets où on a 5 stickers par paquet, si je dis pas de conneries. Bon, on va pas perdre trop de temps sur une super intro qui ne servira à rien. Hein. Bien sûr, on veut l'équipe de France, mes chers amis. Bien sûr, on veut du Pogba, on veut du Griezmann, on veut du Lloris, on veut du Payet, tout ça. Et on veut des joueurs aussi qui me tiennent particulièrement à cœur, que j'aime bien. On veut du Zlatan. On veut du Kim Kallström, Shellström, voilà comme ils disent chez eux. Je sais pas, Marek Hamšík, Lewandowski, Nani que j'aime bien, Serna, Rakitic, bref, tous ces joueurs qui, moi, me tiennent à cœur, que j'aime bien. Je sais pas, moi, Alvaro Morata aussi, par exemple, que j'aime beaucoup. Donc voilà, mes chers amis, sans plus perdre de temps, sans plus attendre, comme on dit chez nous, et grâce à une superbe transition, moi qui ne maîtrise pas du tout Premiere Pro, nous allons directement passer sur l'opening en question. Et voilà, on est du coup dans le vif du sujet. Alors désolé pour l'install, hein, c'est vraiment de la merde, je savais pas du tout comment mettre ma webcam, c'est un peu à l'arrache. Alors rapidement, pour ceux qui savent pas à quoi ressemble un Apple Panini, on sait jamais, hein. Ben voilà, c'est tout simple, hein, c'est, ben voilà, par exemple ici on tombe sur la page de la Slovaquie, hein, voilà. Vous avez tous les joueurs et vous mettez des petits autocollants, voilà, je prends une voix de casteur de football complètement désagréable, mais bon. Seule chose que j'ai pas compris, là, c'est, j'ai check un peu rapidement avant, c'est les demi, on dirait des petites lamelles, en fait. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais bon, voilà. En gros, voilà, c'est tout simple, il faut coller, il faut tout remplir, voilà, il y a même des doubles autocollants ici, c'est dingue. Ne perdons pas plus de temps, mes chers amis, ouvrons directement la première pochette. Oh là là, ça va être le feu, le mec, ça va être le feu, ça va être le feu. Direct, oh, ils sont plus en plus petits, par contre, j'ai l'impression. Hop là, Roland Jamuzaz, on a un brillant. Ouais, c'est la Roumanie, directement, les mecs. La Roumanie en brillante, nous avons Paco Alcacer et David Silva. Ok, donc c'est ça les fameux deux. Alors désolé, la caméra est dégueulasse, hein. je m'excuse beaucoup. William Carvalho, parfait. Et Jason Denayer, voilà, superbe. La Belgique, un petit bisou à la mythe épouse. On continue, on veut du brillant, les mecs. On veut un petit Pogba brillant, on veut un Pogba foil, bien évidemment. Lucas Podolski, voilà, superbe. Hein. Zerdan Shaqiri, ok, bon, on commence à avoir du bon joueur. Oliver Nerwood. Bien évidemment, le joueur de l'Irlande du Nord, Graziano Pelé, qui fait pour l'instant un très bon euro avec l'Italie, et la doublette, Vincent Kompany, Nicolas Lombert. Ok, bon, pour l'instant, toujours pas de petit Frenchie, mais on ne perd pas espoir. Ouh, directement, Adam Nemeth. Voilà, il est mignon, il est superbe. David Derrea, parfait, tiens, je le voulais bien, lui. Enfin, j'étais bien content, j'aime bien Derrea comme gardien. On est content. Le duo... Kirali Fiola, voilà le petit gardien de 40 piges de la Hongrie avec son superbe jogging. Giorgio Chiellini, hein, bien sûr, qui a permis entre autres à l'Italie de se qualifier. Et Roman Chirokov, c'est superbe. Pour l'instant, on n'a toujours pas de français, les mecs. On n'a pas de français, on n'a pas de Zlatan, on n'a pas de Lewandowski, on n'a pas de Serna ou de Rakitic. Tamás Priskin, voilà, super, bon. Claudio Cecchero, voilà. Corey Evans. Cédric, bah le bon Cédric, bien évidemment. Et Hugo Lloris, ben voilà! Le petit français, magnifique. Il ressemble quand même beaucoup à Super Victor, hein, qui est là, hein, c'est quand même fou. Voilà. Hugo Lloris, notre premier français qu'on a dans ce pack. La foule est en délire, vous êtes en train de vous ronger les ongles devant votre PC tellement vous n'en pouvez plus. Douda. Stéphanie Steiner, voilà, hein, arrière latéral de la Juventus et de l'équipe de Suisse. Corey Evans, bah tiens, notre premier double. Le Portugal en brillant, super, magnifique, avec le petit CR7 qu'on voit au fond. Et Emil Forsberg, pas de Kim Kallström, pas de Zlatan Ibrahimovic, mais on touche du Suédois. Voilà, Ikea, c'est superbe, c'est magnifique. La doublette, Matteo Darmian et Bonucci.
la doublette Lenjani et Sikaleshi. Burak Yılmaz. Hop là, un à l'envers qui n'est autre que Rurik Gilslason. Voilà, magnifique. Et Berat Jim Stuti. Super, bon, allez, toujours pas de français, toujours pas de Zlatan. Hop, on continue de déchirer l'argent du streaming qui part en petits morceaux. James Milner et Ross Barkley. Subasic et Serna. Bah tiens, on voulait Serna, mais on aimerait bien l'avoir en grand. J'essaie de mieux cadrer ça, l'opening. Alors, la caméra est vraiment infâme, hein, je m'excuse vraiment. Volkansen, Borek Doksal et. Et Maigri Mabrache, bon, oui. À part le bon Hugo, pour l'instant, on n'a pas vraiment de bol. Ribus et Kriuchak. Perisic et Mandzukic. Joe Dedley, vraiment beau, hein. Superbe superbe poil, très soyeux. Vladimir Darida, compagnie et Lombert. Bon, les mecs, c'est pas tout, mais pour l'instant... C'est pas dingue, hein. On dirait mes openings pas Carstone, hein, vraiment, où on touche vraiment de la merde à chaque fois. Milic et Grosicki, Alderson et Saverson, qu'on va affronter dimanche prochain avec la France, Simon Church, Vaclav Pilar et Dallas et Laferty. Oui, superbe, du français s'il vous plaît, on est en train de toucher de la merde mes chers amis. Mateusz Kozacic, Kristis Zlatan Ibrahimovic, bien évidemment le beau Zlatan. Est-ce qu'il fait un autofocus? Ah, il fait un autofocus, regardez comme il est beau. Il a l'air un peu stone, hein, le bon Zlatan. Parfait, on a Zlatan, on a Lorenzo Insigne, on a Oleg Chatov. On a Zlatan, les mecs. Allez, un petit Hamzik, un petit Rakitic, un petit Cernin, un truc comme ça, ou du français. La pioche, les mecs, on veut la pioche. Aleksandar Dragovic, Seferovic et Memedi. Stephen Davis qu'on a déjà eu avant, Thomas Rosicky, tiens, je savais même plus qui joue encore, le petit papy, et Vincent Kompany, la Belgique, alors qu'il nous reste plus que 4 paquets, hein, ça va vite quand même, hein, toute cette merde, hein. Hop là, Schweinsteiger et Mesut Özil, Michael Lang, Semi Kaya, Akinfeyev et Smolnikov, et Akinfeyev sous sol, bon écoutez, au moins il y en a eu du pack russe. Pour l'instant, on n'a pas trop de bol hein, sur la France, hein. On est un peu déçus. Martin Skrtel, jamais su prononcer son nom dignement. Josip Drmić, Kyle Lafferty, Vladimir Darida qu'on a déjà eu, et Oleg Kuzmin qu'on a déjà eu aussi. Plus que deux packs, ça commence à sentir la merde, comme on dirait. Oh, on a le bon Norbert, on a Norbert, tout va bien. Norbert et Daguette. Diego Costa, ce fameux... Voilà, hein, qui a pris la place de Fernando Torres. Wes Hoolan, hein, qui est surnommé Wessi, hein, si on en croit les anecdotes de Christian Jean-Pierre, le meilleur commentateur de football du monde. Gianluigi Buffon, pas mal. Petite légende du football italien et du football mondial, bien évidemment. Super autofocus, hein. Pontus Wernbrum, voilà, toujours pas de Kallström. Et là, mes chers amis, dernier pack. Est-ce qu'on va voir autre chose que Hugo Lloris, pour l'instant, seul français? Jarouge, Kouka. Voilà, Kouka. Marc Bartra. Gokhan Gönül. Nani. Ah bah tiens, on a eu Nani au moins. Voilà, Nani qui était sur ma wishlist, entre guillemets. Et on a la Turquie. Ah, dommage, pas la France. Voilà. Superbe. Bon, on a eu un petit tirage assez sympathique. On a eu du Buffon, mes chers amis. On a eu du Nani, si je dis pas de conneries. On a eu bien sûr le bon Zlatan Ibrahimovic, hein, qui est dans ce tas complètement enseveli par tous les joueurs, les meilleurs joueurs d'Europe. Hein, voilà, bien évidemment. On a eu Hugo Lloris, hein, quand même. Hugo Lloris, voilà, qui sera notre seul Français de cet opening pack, voilà, j'espère que vous a plu, c'était quand même full shit, hein, voilà, je me suis dit, bon, écoutez, on a ouvert des packs, ouvrons-les ensemble, je savais pas du tout comment mettre ça en scène, d'où l'overlay dégueu, d'où le super maillot, voilà, ça fait vraiment, alors, on n'est pas David Lafarge Pokémon, hein, les mecs, hein, voyons, on n'a pas tous les mêmes valeurs, mais on a Super Victor avec nous, mes chers amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir, un pouce bleu, voilà, superbe, hein, voilà, comme ça, il est bleu, hein, voilà, il est ici. À vous abonner si ce n'est pas fait, et à faire vos retours productifs, hein. N'hésitez pas à dire si c'était de la merde, hein, parce qu'il y a quand même une chance sur deux que, bon, hein, voilà, hein, au final, hein, c'était pas super intéressant. Mais bon, voilà, ça fait des petits opening packs IRL, les gens aiment qu'on ouvre des paquets, et ça permet de voir un petit peu de football sur cette superbe chaîne YouTube. Merci à tous, et à la prochaine fois.